Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Pour les personnes qui me découvrent sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Cécile. Dans une leçon de couture précédente, on a vu comment réaliser un nœud au bout de son fil. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer en haut à droite. Et dans cette leçon de couture, qui sera très brève, on va voir comment réaliser un point d'arrêt à la main. Vous allez voir, c'est très facile, alors c'est parti. Pour réaliser un point d'arrêt à la main, lorsque l'on arrive à la fin de sa couture, on fait passer l'aiguille sur l'envers du tissu, à savoir le côté du tissu que l'on ne verra pas. Ensuite, on pique légèrement en arrière, on vérifie que ça ne se voit pas sur l'endroit, et on va passer l'aiguille dans la boucle qui se forme. On pique une deuxième fois en repassant dans la boucle, et on vérifie que le nœud tient bien en tirant dessus. Une fois que l'on en est sûr, on coupe à ras du nœud en faisant attention à ne pas le défaire. Et voilà, je vous l'avais dit, c'est très facile. J'espère que si vous débutez en couture, vous aurez pu apprendre quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, là où je poste mon actualité de cousette. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne couture.